je vois sur le sol qu'il y a une espèce de marelle. C'est marrant. Attends, j'ai surréagi, mais c'est marrant, ouais. Putain, attends, mais t'as vraiment réagi sur la marelle? Ouais, mais ça va trop vite, j'ai pas le temps de lire. Et boum, salut mon Sivmat. Pousse-toi, Walker, t'es en plein sur la marelle. Il y aurait pas un code à faire? C'est un truc, ouais, c'est marrant. Hop. Ok, elle dit rien d'intéressant. X. Ça se trouve, il parlait des gobelins, il parlait de la marelle. Hein. Rond, rond, triangle. Après ça, je sais pas. Et après, étoile. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais de quoi il parle? On parle des gobelins. Ah, mais il y a des livres par terre. Oh putain, des trucs à lire. On n'aime pas lire dans les jeux vidéo, on veut jouer. C'est marrant, dans ce genre de jeu, tu trouves plein de livres par terre, tu les lis en deux secondes, alors que dans la vraie vie, tu t'imagines, tu avances, tu trouves un livre de 50 pages, et tu essayes de le lire direct, et tu mets deux jours, en fait. C'est ça, Sivmat. Du coup, c'est les épisodes de la semaine. Là. Effectivement. Bon, les ogres. Putain, si le jeu pouvait être en français, ça nous arrangerait tellement. Ouais. Oh, encore plus de texte, mais putain, c'est horrible. Tu vas tout lire, vraiment? Moi, je les ouvre, je les ferme. Non, je survole vite fait. Et les ogres, alors, on laisse tomber? Non, attends, je regarde juste, il y avait un truc, là. Du miel. Je dirige vers le côté gobelin, hein, c'est ça, je dirais. Ah, c'est par là? Ok, je savais pas. Ouais, je crois que c'est par là. Je suis plus sûr en fait. Eh, y'a un puits là, on peut aller dans le puits. Ah, mais oui, c'est le puits qui mène aux araignées. Oh, tu peux soulever les cailloux, mais c'est trop stylé. Mais ça fait quoi? Tu peux le prendre, mais il est un peu invisible, faut que tu le lances. Trop stylé! Ah, tu l'as cassé! Mais je savais même pas ça, c'est trop stylé. Franchement, c'est stylé. Eh, tu vois, il faut jouer avec moi. Attends, je vais faire pareil avec le saut, c'est parce que c'est à ma taille. Regarde, le saut. Ya! Yeah. Ah putain, tu l'as lancé sur les ogres. Attends, on va passer le truc des ogres, parce qu'on a déjà vu. Non, j'ai pas lancé sur les ogres. Intimidation. Allez hop. J'ai plus de... Voilà, c'est bon, c'est passé. Essaye de les recruter cette fois-ci, là. C'est sûr, ils peuvent nous être utiles. Surtout que pour les gobelins, ils pourraient être utiles, hein, les ogres. Ah ouais? Bah, je pense, parce que s'ils peuvent nous aider, j'ai jamais vu comment ils peuvent nous aider, mais s'ils peuvent vraiment nous aider, ça peut être utile, je pense. Vous parlez de fort belle manière. Putain, la pose de Carla Bruni, là, avec son écart entre les cuisses, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah ouais, ça a un nom, ça. Oh, mais c'est parce qu'elle a les jambes écartées aussi. Hein. Ouais, ça avait une tendance. Elle a les jambes droites. Ça avait une tendance, ouais. Ouais, mais c'est quoi, l'écart entre les cuisses, c'est calcul, c'est ça. Les jambes. Le taille quoi? Ah, mais Sivmat, il connaît. Le Sivmat, il connaît. Ah, oui, il est à fond sur la culture asiatique, les meufs. Mais le taille gap, ça n'a de sens que quand tu as les jambes bien droites et les jambes sur le côté. En fait, c'est pour ça qu'elle a un écart. Ouais, mais tu sens quand même que si elle serre les jambes. Bah, elle a sacré cuisse quand même. Hein. Voilà, ça fait un triangle des Bermudes. Oui, d'accord. I've no use for the absolute. Le triangle de la foufoune. I follow two masters only. Gluttony and greed. The goblins understand my appetites. They sate my hunger. Moi je préfère quand il n'y a pas de tight gap. Ah bon? D'accord, ok. Sate my hunger for meat. Oh non, il y a un délire, hein. We check brand. Good deal. Nous on peut pas l'avoir. Parce que forcément nous on a on a nos boules qui couvrent le trou. Alors moi j'ai le tight ball. Tight ball. C'est l'écart entre les boules. T'as l'écart entre les boules. T'as un triangle.
Ah, faut les payer. Oh, intimidation. Vas-y, intimidation. Oh putain. Oh shit. Ouais, je vais, vas-y, first try. J'ai oublié un zéro. Non, mais le dé est cassé. Je relance. Relance. Oh oui. Oh, ça c'est chouette. Bah, c'est fou, ça. Le deuxième essai, il passe toujours. Ouais, mais ça, c'est que c'est de la chance. Je pense pas que ça soit vraiment compliqué. Tu peux lancer que vraiment deux eu de fois. La chance de faire 20. Voilà, et en plus, oh, j'ai le respect. Je suis... Use it when the need arises, and never a moment before. Ok, je vais souffler dedans tout le temps. Indeed. Quel ogre parle comme ça? Effectivement, nous allons tuer tout le monde. Très cher. Bon bah c'est cool, on a réussi, on a même pas payé d'or, ça c'est bien. Du coup on pourra les appeler avec la corne. Et on a dû recharger qu'une seule fois. Mais non, mais c'est parce que t'avais fait le mauvais choix tout à l'heure, t'avais attaqué, c'est pour ça. Tu savais pas qu'on allait s'arpoutrer la gueule par des ogres. Qui a dit que c'était le mauvais? Allez, attaquez. Non mais... voilà. Ah non. Non mais du coup t'as la corne, ça c'est bien, parce que j'ai hâte de voir comment ils se battent. Oh, ils se barrent, ils sont téléportés ou je rêve? Ils se barrent, ils ouais, sont barrés. Ils vont du dans coup, le sol. T'as le cadavre. Ce oh, c'est quoi lapins. Ça? Perception réussie. Oh, t'as vu ça? Perception c'est réussie. Quoi, ouais. Ah, on pouvait faire tomber le plafond sur eux. Ah putain, trop bien. Attends, si je vais là-haut, ça fait quoi? Attends, si je vais là-haut, tu le fais tomber. J'ai envie de tester. Attends. Je m'écarte. Est-ce que je peux grimper là-haut? Ah, je peux même pas, on dirait. Indeed, oui, c'est ça. The tiefling's corpse stirs with the spell. You realize the tiefling's... Ah, moi, le terme indeed, je trouve très moche. Moi, quelqu'un qui est un anglais, quand il utilise indeed, moi, à chaque fois, ça me fait grincer les dents. En français, je sais pas pourquoi ça passe mieux. Mais en anglais, quelqu'un qui dit indeed, franchement, je trouve que le mot est moche. Indeed. Ouais. Ça fait un peu gay, quoi. Strange. Ouais. Gold. Non, mais après, il y a une autre manière de le dire en anglais que je trouve bien mieux. Par exemple, exactly. Exactly. Des trolls m'ont tué. Ah ouais? C'était qui? Dis-moi où ils sont partis. Non mais il parlait d'un mur doré. Donc c'est pas les ogres. Route, montagne, porte. Ah ok, je vois où c'est. Ok, je vois à peu près d'où elle parle, mais ok. Au final, on a bien fait de la prendre celle-là, là. Ouais. C'était des ogres? Sérieux? Des personnages qui sont dans le bosquet des druides là, ça? Bon. Ouais, bah, j'avais plus rien à lui poser comme question, on se barre. Mais c'est bien les ogres, j'ai hâte de voir quelle force ils ont parce que j'ai jamais pu tester. Médaillon. Cool. Bon là il y a une bibliothèque. Lire, Strance. Ah oui, je me suis appelé Strance aussi. Voilà. Oh. Attends, j'ai un truc. Oh, j'ai trouvé la saucisse. Mon broker, elle lit un bouquin. Attends, mais j'ai un discours, j'ai un dialogue. Oh là!
attention is fixed upon the contents of an old. Tu découvres des trucs. Mais non, mais elle a pris un bouquin. Ah bah merci, c'est... génial, la cinématique pour que la meuf nous dise. Oh non, mais on devrait continuer, c'est bon. Indeed. Lady Shaw protect me. Quelque chose, non, c'est la première fois que je vois que ça vous arrive. It felt oddly familiar, but I don't know why. Qu'est-ce que t'es mignonne, mon broker. C'est la fille quand elle parle, elle dit des trucs sensés, mais on l'écoute pas. On l'écoute pas, on dit « Oh, mais oui, t'es mignonne. Oui, oui, oui. Oh, est-ce que t'es mignonne? Oh, t'es belle, oui. » Pendant qu'elle te fait une thèse sur le livre. Pardon, tu disais. Je veux dire ce que c'était. Oui, t'es belle. Oh, les femmes toujours à se vanter avec leur super fertilité. C'est vachement intéressant ce que tu dis. Et c'est d'autant plus intéressant, surtout quand tu portes cette belle armure. Oui. Ah, y'a ma gamine qui arrête pas de se lever, putain, c'est chiant. Ah, y'a encore un bouquin là-bas. Y'a pas là, ok. Guide de Volo. Ah, mais Volo, c'est un mec. Ah, c'est un stuff de Volo. Ah, ouais, ok, Volo. Je crois que c'est le bard. Bon, on verra après, mais. Ok, ok. C'est un truc à retenir, ça. Encore un livre, mais putain! Où ça, un livre? Ah putain, ouais! Il y a trop de livres! Ah, ça, après, tu me diras, c'était une école, une essole. Putain, là aussi. Ce qui me déprime quand j'entre dans des bâtiments, c'est quand tu vois des bibliothèques, quoi. C'est... ouais. J'ai encore récupéré un bouquin. Putain, mais il y a trop de trucs à lire et en plus qui apparemment ne sont pas intéressants. Enfin, oh putain, il y a encore deux livres dedans. Ça s'arrête jamais. Mais non, mais tu comprends, c'est les gobelins. C'est les gobelins qui sont très, très. Bah oui, ils ont pas pris les livres. L'inférence de Megamind, effectivement. Les fables. Oh putain, encore là. Oh, je suis en train de saigner des yeux. Tellement j'ai lu de livres. Faut tuer quelqu'un maintenant. Attends, je peux même le lancer avec le gnome. C'est génial, attends. Il y arrive. Tu fais ma taille. C'est qu'est-ce que c'est con. Je savais pas qu'on pouvait lancer ça, mais c'est trop fun. C'est vraiment trop fun. Mais par contre, j'ai pas une zone. Enfin, je peux pas lancer très loin, quoi. Oh. Et puis il le lance parfaitement debout. Ok, bon, et si on continuait vers les gobelins? Ah là, il y a un guerrier gobelin là. Mais je propose qu'on laisse tomber ce village, parce que ce village il est un peu particulier. C'est vrai qu'ils sont pas vraiment liés exactement avec le point des gobelins. Bah c'est ça en fait. Oui, parce qu'on les avait intimidés, donc... Je propose qu'on aille au camp des gobelins et qu'on voit ce qui se passe là-bas, en fait. Oui. Donc ici on verra plus tard, parce que ici je sais pas... Ou alors on les tue tous, après tout on pourrait essayer. Encore un livre. XP. En fait on pourrait s'XP en les tuant en fait, c'est pas bête. Bah oui, moi c'est ce que je vais faire depuis le début, mais tu dis faut pas tuer tout le monde. Eh bah vas-y, je peux. Allez. Allez, bah voilà. Attends, je me positionne, attends. On s'amuse. Attends. Merde, parce que là c'est. On recrute les âmes. Attends, mais je me cache. Attends, je veux qu'on les bute, mais on la joue stratégie un minimum. Oui, bah j'ai une hache. Attends, il y avait pas des mecs sur les toits? Ah, ce qui est bien, c'est que sur la carte, on les voit en jaune. Ah, mais t'as attaqué, toi, déjà? Bah oui, on y va. Eh oh. Faut savoir ce que tu veux. C'était ça, ta stratégie. C'était ça, ta stratégie. T'aurais pu attendre, du coup, que je me place à côté d'eux, parce que, du coup, je...
Attends, quoique les déplacements ça a rien à voir avec les actions. Moins 15, let's go. Ouais, ça va. Mais en plus, ils ont pas de PV, donc tout va bien, quoi. Tout va bien, et puis là, ils sont que 4, donc ça va. Franchement, il y avait personne sur les toits, j'ai regardé, t'inquiète pas. Ah, on va se les faire. Ah merde, mais... ça, je deviens psychopathe. Thaumaturgie, vous bénéficiez d'avantages sur les tests d'intimidation et de. Ok. Ouais, je l'intimiderai quand il sera mort déjà. Ah ouais, mais break le bragueur, je l'ai one shot en fait. Je lui ai mis moins 15, il avait 11 PV. Oui, tu. C'est trop héros qui attaque des handicapés, ouais. Ah non, mais. Oh. Vous êtes différents. Pas de répit pour les. Pour les gobelins. Ah putain, j'ai eu peur qu'ils soient pas morts avec un coup critique. Bah, il en reste plus qu'un. C'est bon, ils sont lootés. Au suivant. Il est où? Il est là. Tu pouvais pas attendre de finir le combat avant de les loot. Pas le temps. Et c'est sur ma gueule, ok. Et s'il va là-haut, le suisse d'up. Qu'est-ce qu'il fait? Lance-lui un vase. Mais attends, je peux lancer un truc. Y'a pas un truc à prendre? Oh, y'a des papillons. Oh, les papillons! Est-ce que je peux monter là-haut ou est-ce que je peux sauter, tiens, là-haut? Peut-être. Ah ouais, je peux me mettre devant lui. La mécanique dessous, c'est fort quand même, j'aime bien, moi. Hop. Et là, je l'attaque. Oh, bah merde. Il va encore faire un échec critique. On regarde ça, attention, t'es prêt? Bam! Ah, mais il est déjà mort! Ouais. Je l'ai OS. Coupe à la pisteuse. Oh putain, c'était un personnage de Mario. Ah voilà, là où on s'amuse. Je crois qu'on l'a fait discrètement, du coup, les autres ils sont pas triggered encore, donc on peut les trigger de petit à petit, et ça c'est bien. Oui, ça c'est pas mal ça. Ah mais c'est aussi qu'il y a la trappe. Ah mais c'est là où il y a la trappe où était Alekira la dernière fois pour le miroir. Kiri, tu veux dire? Kiri, pardon. Ouais, c'est la trappe avec le miroir, mais est-ce que ça vaut le coup d'y aller maintenant, sachant qu'il y a un bouquin intéressant pour une quête intéressante quand même? Non, non, on finit la ville d'abord, on tue tout le monde. Vas-y, on rase tout le monde. Et après on réfléchit. On tape et après on parle. C'est ça, parce qu'à un moment donné, on joue à un jeu, on n'est pas là pour lire des papiers ou parler avec des gens pour dire « Oui, alors vous savez, Indeed, effectivement... » Bah, déjà, tu peux faire une save, vu qu'on a fait 4 gobelins. Pas mal, déjà. Le registre. Je le ramasse, ça fait de la thune. La règle de 3, je sais pas ce que c'est. C'est pas la règle de 3, c'est c'est quand tu as deux fractions et que tu as une inconnue sur une des deux fractions, tu peux faire le produit en croix. Et ils avaient déjà ça à cette époque-là. Bah, ils avaient pas calculé si tu voulais qu'ils fassent comment. C'est quand même un fait le monde sur leur bodycore. Oh, il se passe quoi? Ah, y'a un miroir. Ah, y'a un gobelin qui est attaché ici. Ah oui, non, mais j'irai après. Ok, on fera ça après alors. Y'a un gobelin attaché? Mais oui, mais on l'avait vu la dernière fois, mais. Y'a un chaudron. Prière du quotidien. Putain, les trucs à lire là. Et si j'essaie de le faire lui là, il a combien de points de vie? Il en a 11, je peux essayer de le one shot lui en fait. Attends, en soum. Ah bah oui. T'as fait un F5? Au cas où que je me rate. S'il est tout seul, je voudrais bien le tuer en soum pour pas trigger les autres. Peut-être faudrait healer Ombroker et Black Devil, non? Ouais, mais attends. Oh, je position de one shot lui. Ok. Oh, je l'ai one shot, let's go! 20 points d'XP. Vêtements miteux. Ok, ah bah, j'ai bien un mec là-haut. On attend encore un combat pour heal parce que j'ai plus qu'un sort. Ou là on fait un court repos. Attends, mais... t'es où? Ok, t'es là-bas. Bah, je peux nous heal mais faut qu'on se rejoigne alors. Il y avait des gens. Ouais, bah je suis là.
Là, il y avait des gens sur les toits. Bouge pas, là, pour le coup, il faudrait faire une strat, là. Ne bouge pas. Voilà. Oui, alors, bah, y a, à l'entrée de la porte, là, il y a personne. Bah, c'est bizarre. Ah oui, là-bas, attends, viens. C'était là-bas qu'il y avait le mec qui dormait, non? On l'avait tué, déjà. Ah oui, mais c'est là, les mecs. Ils sont là, les méchants. Avec un mec sur le toit, là. Bah, attends. Je ramasse vraiment mais toutes les merdes, je me pose pas de questions. Moi je suis en position si tu veux te faire ceux qui sont sur cette baraque là. Il y a deux mecs en haut et il y a des mecs dans la baraque je crois. Et le mec qui dormait on l'avait tué déjà, je crois. Ah tu t'es mis en haut, ok. En fait, je crois qu'on l'a. Attends mais moi je vais aller sur l'autre toit qui est en face là. Ah ouais, il y en a deux là-bas, c'est vrai. Mais tu pourrais les lancer, ça va être marrant. Oui, les pousser, ouais. Ouais. Mais même avec un berserker, tu peux porter les gnomes, en fait, et les lancer carrément. Ah, il y a des tonneaux de vin de feu. Tu fais une save avant qu'on y aille. Et tu me laisses attaquer en premier parce que je peux attaquer en soum-soum. Ouais. Attends, je les mets. Je les positionne. Sauvegarde. Ok. Bah je dès que j'attaque, ça sera bon. Hop, parce que lui, je peux le one shot, je pense en soum soum. Vas-y. Et là. Ah, j'ai même pas été détecté. Ah si. Ça y est. Et bah on est type. C'est bon. Je crois que je l'ai one shot là-bas. Ah non, je l'ai pas one shot, mais et je l'ai enflammé. Oh, je lui ai laissé un point de vie. Il a de la touche. Ah, il y a un mec en bas, c'est vrai. Je l'ai oublié lui. Ah, l'enfoiré, il m'a tiré dans dessous, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ça? Ah, du coup, j'ai deux coups, vu que. Ok, ouais, c'est trop bien ça. What the fuck, les dégâts? Ouais, mais après, il avait déjà été touché. Oui, même, t'as mis 17 quand même. Ouais, mais elle fait plus mal que mon personnage principal, comme d'hab. Et je te rappelle que moi, d'enragé, c'est limité entre de chaque long repos, hein, donc n'en abuse pas quand t'as pas forcément besoin. Pourquoi tu seras coincé? Ah oui, là j'ai deux épées à une main, ok. Ouais, mais du coup, donc, tu peux je faire tape deux avec mes deux épées à une main et c'est voilà. Non, mais attends, t'as pas fait le deuxième coup là? Si, c'est, en fait, ça fait les deux coups en même temps. Parce que t'es pas obligé, tu peux faire coup par coup aussi. Si tu veux faire vraiment main droite, main gauche, tu peux le faire aussi. Moi je l'ai fait comme ça. Oui, je savais pas. Donc là, du coup, je peux plus rien faire. Et par contre, je vois que j'ai un nouveau sort qui s'appelle Appel de familier gratouille. Gratouille? Ah, c'est le chien! Ouais, mais est-ce qu'on a peur de le. Enfin, est-ce que t'as pas peur de le tuer en fait? Si tu le fais apparaître. Là, je sais pas. What? Ah, bah lui. C'est lui gratouille! C'est... Non, c'est pas moi ça qui ai fait ça. Lui il a appelé gros touille. Oui, lui il a appelé grosse couille. Grosse couille. Hop, ça c'est fait, on va descendre. Titre. Grosse couille. Là c'est bien, là on est sur une aventure, tu vois. Ouais, alors. Conseil, si tu tues avec, l'invocateur, Il y a des intrigues, tu vois. Ouais. Je pourrais pas la voir du toit, faut que je descende. Ou alors, faut que bon, je. Bon, les personnages sont quand même bien faits. Hein. Là, pour le coup, ils sont quand même mieux faits que sur Divinity, ça c'est sûr. Après, Divinity ouais. 2 était quand même pas trop mal. Bah, c'est pas même c'est au final, aussi, hein. si Divinity 2. Il est quand même pas plus joli que Baldur's Gate 3, quand même. Quoi? T'es ouf! Bah, Divinity 2 est quand même pas moche, hein. Il est pas moche, mais quand même, Baldur's Gate 3, je trouve qu'il est vraiment beau, pour le coup. Avec les animations, etc. C'est-à-dire que le problème des personnages de Divinity Original Sin, c'est qu'ils sont un peu difformes, enfin, c'est... Ils sont tous pareils, avec des grosses cuisses, des grosses torses, des machins... Des grosses torses? C'est un peu exagéré. Des gros torses, même si ils ont les épaules très larges et tout, avec des grosses armures. C'est un peu too much. Oh,
Oh. Ah, il t'a coupé dans ton élan. Refais. Oh, on dit que tu vas faire un Kamehameha. Ah merde, mais c'est le des invoqués. Ça, c'est Shiken. Bah oui, parce que t'as tué. En fait, t'as tué l'invocateur, donc c'est l'un des invoqués, ouais. Mais c'est drôle quand même. Ouais, j'avoue. Ce principe de lancer des mecs, ça, y'a pas dans des vidéos originales signées, et c'est dommage parce que c'est trop fun. Bon, le Black Devil il sert qu'à looter. Hein. Oh, j'ai pas loot les mecs là-haut, je suis con. Hein. J'ai la clé. Clé couverte de mousse, ok. Ah, c'est la clé qu'on voulait. Ah, mais ouais, mais ça sert à rien parce qu'on l'avait déjà ouvert le coffre couvert de mousse. Ouais, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as laissé, je rêve. Je lui ai pas dit de faire ça déjà. T'avais une échelle juste à côté de toi, qu'est-ce qu'il t'a fait? Je sais pas pourquoi il a voulu passer par là. Bon, lui il est paumé. Oh! Ton personnage, c'est le mec pas tout fragile qui se fait. Évidemment. Tu sais, on fait tous des 20 points de dégâts et tout, sauf JS qui lui il se fait poutrer la gueule. Il loot et il se fait poutrer la gueule, tu sais. Ok. Ouais, Black Devil, c'est l'élément comique de notre groupe. Ouais. Vous pouvez pas sauter directement d'en bas là avec ta cara. Enfin ta merde, ta carache. Mais non, mais si tu fais foncer, tu vas plus loin. Ouais, mais si tu sautais directement au lieu de faire tout le tour. Tu peux sauter là directement à là où elle est. Non, Kara, elle pouvait plus sauter, elle avait déjà sauté. Ah oui, ouais, mais là, au tour prochain, tu pourras. Oui, là je pourrais. Ah, mais de toute façon, tu vas le buter. Comment tu prends cher, c'est ouf. Et attention, est-ce que je peux le faire? Ah, c'est juste une action ça, trait de feu. Attends, c'est trop fort. Ah merde, je peux pas sauter. Attends, est-ce qu'elle peut sauter? Elle est trop forte en fait en vrai. Mais non, mais le gars. J'ai pas dit de sauter sur le toit. Ah, écoute, on fait ce qu'on peut. L'américain, c'est bon, bien sûr que je peux sauter, regarde. Les mecs qui sautent sur le toit. Et mais après, elle va re-sauter en bas. Ah, t'as qu'à loot les personnages qui sont en haut, je les ai pas loot, moi j'ai oublié. Ah, ça, c'est une mission pour Black Devil. Putain, mais t'étais enflammé en plus avant de marcher, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis sûr que la maison va prendre feu, c'est Ah, ça serait bien, ça, pour le coup. Si les flammes... Il y avait une réaction. Bah, t'as des endroits dans le jeu où t'as des incendies, je te spoil pas plus, mais est-ce que c'est une mécanique du jeu comme ça propre? Je sais pas. Ah, elle est trop loin, dommage. Moi je prends 5 et toi tu prends 8 plus 7 c'est... et avec des dégâts de flamme en plus. Non mais c'est pas ça que je veux faire. Ah bah voilà. Ah bah on a gagné, ok. Voilà. On broker trop forte en fait, c'est abusé. Pourquoi on l'a pas pris avant, je comprends pas. Oui, je sais pas non plus. Donc tu fais ta mission à la Black Devil, c'est ça? Ouais, je loot. Eh, mais si je mate lui, il a pas le jeu là, il veut pas venir avec nous pour la prochaine fois. J'ai dit penser. Non mais je joue sur Linux et je vois que sa machine n'est pas assez puissante pour faire tourner ce genre de jeu. Ah ouais. Sa machine n'est même pas si puissante pour faire tourner. Il l'avait dit depuis le début. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Si on avait pu, il nous aurait rejoint. Hein. Mais si.
Sa machine n'est même pas capable de faire tourner Unity, donc il est obligé de développer son jeu sur, en Linux, en ligne de code. Oui, il est obligé de développer son jeu avec une trackball. Parce que même un clavier, ça passe pas. Il est obligé de taper du texte avec une trackball. Bon, alors dans la maison, on avait Kirby qui a été entièrement... Tu savais ça, que Kirby, le tout premier, avait été codé entièrement à la trackball ? Chaque caractère. Ouais. Ouais. Putain. On avait déjà fouillé la zone en bas, je crois, vu qu'il n'y a plus de tôle derrière déjà, donc c'est pas la peine d'y retourner. Ah, j'ai récupéré des schémas. Je sais pas comment ça marche, les schémas. Ok, donc là on a tout fait. Il reste des trucs là. Attends, il reste des gobelins, mais. Oh ouais, oh c'est marrant! Sauvegarde! Ça, c'est... Excuse-moi, je voudrais pas réagir comme ça. Fais de l'huile. Je peux plus faire de l'huile. Enfin, ah, je crois. On peut... ouais, et ton huile, c'est quoi? C'est faux court repos ou long repos? Court repos, tu peux faire, mais t'es pas obligé, je crois qu'on est pas obligé de se battre là. Mais fais une safe, enfin, je sais pas. Vas-y. Ouais, ah, voilà. Mais le court repos, ça heal. Ça heal, ouais, déjà. Mais ça m'a pas rendu mes sorts, mais par contre, ça heal, donc c'est bien. Je sais pas si t'entends le bruit qu'on entend là. Ouais. Essaye de deviner ce qu'il y a derrière la porte. Je devrais pas réagir comme ça, mais je me souviens, ça m'avait fait trop rire. Il y a une tournante. Si tu savais. Énergie, c'est ça. À prendre du bon temps. La tronche. Oh. Ils nous ont fait Pulp Fiction. Mais d'où ils mettent ça dans un jeu, quoi? Tu es membré comme un kobold, mort de rire. Oh putain, non mais ça suffit! Un ogre qui est en train de s'envoyer en l'air, putain, mais franchement. Je peux acheter un bonus de la part de Ombroker. Ah ouais? Ouais, elle lance un dé de 4 en plus. Apparemment. Ah, parce que j'ai fait un sort. Oui, parce que j'ai fait un sort pour augmenter ton charisme, je pense que c'est ça. T'as des sorts de bonus comme ça. On voit sa bite ou pas? I am virile. C'est quoi ces mouvements? Ah, mais c'est une meuf, ok. We leave. Qu'il est à poil. T'es un ouf. En plus, j'ai tapé la meuf. On va se les faire. On lui couper la bite. Oh putain, on voit la poitrine énorme. Mais d'où ils mettent ça dans un jeu de cette ampleur, enfin de... Voilà, c'est pas un jeu pour les enfants, hein, tu sais. Ouais, mais les enfants vont l'acheter quand même. Ouais, non, mais ils vont même pas profiter du jeu tellement que c'est compliqué. Mais du coup, c'était pas une orgie, c'était une ogrie. Attends, est-ce que je peux faire ça? Ça touche les deux normalement. Oh, t'as touché tout le monde. Même Carlache. Mais Carlache, elle a survécu à l'empoisonnement. Ah, par contre, elle a beaucoup de PV. Butir là. Ah. Coup critique, ouais, évidemment, plus, c'est elle pour elle a pas le temps de jouir, donc elle est frustrée, tu comprends. C'est ça. Et du coup, elle a une grosse envie de faire caca.
Est-ce que je peux pas flamme sacrée? Qu'est-ce que je peux faire? Putain, elles sont lacération. C'est marrant, des fois lacération ça fait vachement plus. Oh putain, tu vois. Il y a marqué sur mon arme JDS de con. C'est dire quoi ça, JDS de con? JDS de con? J'ai une sauvegarde de con. Con, ça doit être conspiration, je sais pas, ou con. Merde, normalement il commence par con. Ok, on va faire un jet de sauvegarde de con. Mais appuie sur T et mets le curseur dessus pour voir ce que ça veut dire. Ah, constitution, ah, c'est pas mal, oui. Constitution, c'est ça que je cherchais. Grugotte ou Butyr? Je tape sur qui d'abord? À mon avis, on fait le mec. Comme ça, on peut se concentrer sur après la blague. Ouais, bah là, de toute façon, je vais le finir avec mon gnome après. Mais de toute façon, là, on va clean tout le village, peu importe qui c'est, on les clean tous. On va purifier cette zone. Ça peut marcher. Bon, à mon avis, tu peux le finir, le petit là. Attends, c'est pas fini, attends. Oh, mais quoi? Mais c'est pas possible, 2 fois 60%! Pas vrai! Oh non, mais vas-y, c'est trop! Oh putain, il t'a one shot! Ouais! J'ai fait un échec critique, je suis dégoûté! Par contre, toi, t'as pris cher, putain, c'est chaud! Ouais, comme ça, Kalash, elle tank un petit peu. Que ça marche sur ce... Ah putain. Ah, vas-y, je vais me barrer. Ah bon, mais t'es ouf. Ah oui, mais t'as plus de vie. Ouais, mais j'ai plus de PV, ouais. Ouais, mais là, elle va se faire focus par carrelage, t'étais pas en danger, en fait. Parce que quand ils sont entourés, ils peuvent pas se déplacer, donc... Bon, je vais finir lui. Attends, je suis hébété. Je l'ai même pas fini, mais c'est quoi ce délire? Attends, déjà je vais te filer un coup de main. Je lui ai mis que 2 points de dégâts, les boules. Je lui refous de la vie à elle. Le problème c'est qu'il va me remettre à terre parce que je vais pas pouvoir l'attaquer là. J'ai plus d'action, je crois. J'ai une potion suspecte. Ne vous y fiez pas, cette potion vous laissera dans un sale état. Ok, vous ne pas la boire. Putain, attends, te soulever, ça m'a bouffé tous mes points d'action. Est-ce que je vais réussir là? Aucune action. Comment j'aurai bonus? Ça m'énerve. J'ai fait 3 attaques à 60%, les 3 je les ai ratées. Je commence à me dire que quand tu n'as pas 80% de chance. Tu rates. Comment c'est possible? Le mec n'a plus que 2 PV, on peut pas le rater autant. Ah ça y est. Ah bah il est mort. Ah tu peux même lui parler, t'as vu, il a une aura. Ah ouais. Alors que normalement quand on tue donc les gens, on peut pas leur parler, mais bon. Tir perforant. Sur les restes de sens pour tout nettoyer. T'as un foiré toi, Sylvmat. Bon allez, on va se focus sur elle. Et après on fera un long repos, donc c'est pas grave si on n'arrive pas à... Enfin si on prend cher, c'est pas grave, on fera un long repos de toute façon, je pense. Ou un court repos, ça sera suffisant peut-être. Oui. Sur là c'est pour l'XP, ça vaut le coup, c'est... Oh putain. Ah merde. Pure de Butyr. D'accord, enfin, est-ce que je peux... Elle me ranimer, ouais. Ouais, mais écoute, chaque chose en son temps. Parce que le problème, c'est que si je te réanime et qu'à chaque fois que tu tombes à terre, ça va pas servir à grand chose. Je vais me mettre entre elle et toi pour pas qu'elle t'attaque. Parce qu'elle pourrait te finir et j'ai pas envie qu'elle te finisse. Ah, elle est trop lourde pour que je puisse la bousculer. Bon. Y'a pas des trucs pour stun les ennemis? Comme dans Divinity? Bah, si, ça doit exister, mais. Allez, attends, je vais essayer de lui mettre full dégâts parce que. Oh, et encore 80%, c'est pas possible à la fin. Oui, tandis que moi je touche, moi c'est bon. Mais c'est fou ça, 4 fois de suite il a raté mon personnage, c'est le genre de choses qui me rendent fou quand même.
Ça, c'est pas possible. Attends, du coup, je vais me rapprocher pour éventuellement ranimer... machine. T'as besoin que je te dise qu'elle est trop lourde. Oui, mais non, mais on sait jamais. Si juste pousser, ça peut le faire, des fois. Des fois, tu peux pousser des personnages et ça les pousse pas très loin parce qu'ils sont lourds, mais... Là, carrément, c'est que je peux pas. C'est... Puis je veux dire, le personnage humanoïde qui fait la même taille que moi, il était bien en train de la ken. Alors écoute, tu vois bien que le poids il fait pas tout. Ah, du coup peut-être qu'il faut que je réanime. Ben moi je vais réanimer Carla. Ouais mais du coup là j'ai plus d'action quoi, c'est ouais. Ah mais attends, est-ce que tu pourrais la réanimer maintenant? Non tu peux pas, c'est ça? Ouais, non là je suis obligé d'attendre, mon tour c'est après. Ah mais attends, je peux faire ça, attends. La strat, attends. On avait oublié cette strat là, je vais essayer. Pourquoi je peux pas lancer? De faire quoi? Ah je peux pas lancer parce que... Ah ok, non, bah je ferai au tour d'après. Vas-y, essaye toi de la... Est-ce que ça je peux le lancer maintenant? Ah bah non, parce que j'ai pas d'action, attends. Ça bousille l'action bonus quoi. Ça bousille l'action tout court même. Bon. Il faudrait que je lui foute de la vie. Mais il faut lancer une potion par terre, si t'as une action pour lancer une potion, fais-le. Mais comment on fait? Mais il faut avoir une action pour lancer une potion et tu lances la potion par terre. Tu fais ton inventaire, clic droit sur la potion, lancer. Mais si tu veux pas, c'est que t'as pas assez d'action. Mais t'as pas d'action là, t'as plus d'action, t'as que l'action bonus. Jeter l'objet. Ouais, non, c'est vraiment lancer. Et pour lancer, il faut une action en fait, c'est ça le problème. Ah merde, je l'ai jeté. Bah, elle est où ta potion? Elle est à côté de toi, ouais. Je l'ai plus, ouais. Parce que je crois que si tu lances des potions sur les mecs à terre, ça les remet debout en fait. Ça vaut le coup de faire ça plutôt que de. Surtout que là, on est tous paquets quoi. Genre là je vais essayer de le faire, attends. Ok, allez, bah c'est bien, parce que du coup au moins on peut te réanimer en boucle. Regarde. Mais elle a esquivé, elle est trop con. C'est pas vrai. Ok, je vais boire ça. Putain, et je peux même pas te réanimer quoi. Donc, je vais encaisser. Il faut essayer d'encaisser de la tuer, puis on se soignera après. Vas-y. Parce que là, on perd des tours. On n'arrive pas à lui mettre des points de vie. Faut lui mettre des points de vie dans la fin, des points de dégâts pour essayer de la finir. C'est quoi ça? Gratouille. Expecto Patronum. Okay. J'appelle mon Patronus. Si le clébard meurt et puis qu'il est mort définitivement, je t'en voudrais à vie. Eh ben, c'est pas grave, c'est la vie. Écoute, c'est... Oh yes, raté. Comment ça raté? J'ai pris des dégâts quand même, là. C'est quoi cette histoire? Ah, ça y est, elle peut taper. Ça alope. À te faire poutrer par un grognard, je sais pas quoi, je sais même plus comment il s'appelle. Examiner, c'est quoi ça? C'est un gobelour. Ah putain, mais vraiment, quand tu ranimes quelqu'un, tu peux plus rien faire après derrière. C'est vraiment le truc que j'aime le moins comparativement à Divinity. Bah c'est une action. Et dans Divinity aussi, ça prend une action, tu sais. Ouais, mais du coup, là, je devrais avoir une action bonus, mais du coup, je la perds aussi, quoi. Non, l'action bonus, tu l'as encore. C'est je peux me déplacer dans tous les sens, là. Non mais tu l'as ton action bonus, regarde bien là tes icônes que tu as au-dessus non, de ta barre pas, de compétence. Je l'ai pas. Action bonus, tu l'as, je la vois, sur ton live, je la vois, arrête. Action bonus, regarde ce que je peux faire, je peux pas faire ça. C'est parce que tu n'as pas de sort qui utilise des actions bonus. Il te faut un sort qui utilise une action bonus en fait. Mais regarde je les l'avais sorts. Juste avant. Attends, il y a écrit quoi? Attends, c'est écrit quoi en rouge là? La cible doit être enragée. Ah oui, mais t'es plus enragé, c'est pour ça, tu n'as plus de sort que tu peux faire parce que tu n'es plus enragé. Mais parce que là, je t'ai soulevé. Non, tout à l'heure, tu as perdu ton... Avant que tu regarderas le replay, avant que je te soulève, je pouvais les faire. Oui, mais tout à l'heure, tu étais enragé, c'est pour ça. Là, tu n'es plus enragé, tu as perdu ton enragement, regarde, tu n'as plus l'attribut enragé parce que tu n'as pas attaqué pendant deux tours.
Et je l'ai vu, ton corps de loup là, il s'est barré. Tu as perdu ton côté corps de loup. Ce n'est pas que tu n'as pas d'action bonus, c'est vraiment ce qui est écrit en rouge, c'est que tu n'as plus enragé. Je vais planter mon épée dans l'orque. Voilà. Non mais je t'embête, mais il faut essayer de comprendre un peu comment fonctionnent les sorts, parce que c'est là-dessus que tout se joue. Parce que je t'assure qu'en gagnant des niveaux, tu as plein de possibilités, mais il faut bien comprendre comment ça fonctionne, sinon tu penses que tu peux rien faire. Si tu prends que des sorts, qu'il faut que des actions, tu dépends que de tes actions alors que t'es limité. Il faut essayer de varier. Et là par exemple, toi tu n'as que des sorts actions, et tes sorts actions bonus, tu peux les utiliser que quand tu es enragé, et ça c'est un peu chiant quoi. Ouais, mes fesses. Et par contre, tu verras que ta main gauche, quand tu tapes avec ta main gauche uniquement, c'est une action bonus, donc tu devrais pouvoir taper avec ta main gauche quand tu es en action bonus. Voilà, comme ça par exemple. Barbare égale taper, on voit là. Ah ma one shot. One-shoté. Oh. One-shotted, t'as été one-shotted. J'étais full vie. Et pourquoi gratuit, il a pas joué tout à l'heure. Révocation, se désengager. Ah, le loup peut aider, il peut faire que ça en fait. Ah, il peut mordre et ranimer des gens. Donc, ah, c'est bien ça, loup, c'est vu, juste animer. Vu que le loup il sert à rien. C'est pas un loup, c'est un chien. Ah quoi, il s'identifie à un loup, c'est ça. C'est le loup de Wall Street. C'est ça. Ah, du coup on va sortir un petit peu. Pas besoin d'être trop loin. C'est pratique, il y a un chien qui est là pour réanimer. Bah ouais. Parce que les animaux ils peuvent pas réanimer normalement, c'est pratique ça. Ah bah c'est cool, on a découvert un truc. Oh bien. Ah mais t'as vu, comme tu es empoisonné, ton arme elle est empoisonnée aussi. Non, je l'ai empoisonné juste avant. Ah, tu l'as trempé. Ah ok, d'accord, dommage. Ouais. Ça t'es marrant, ça marche. Mais du coup là je peux peut-être jouer là. Mais là c'est pareil, comme moi, tu vois, avec mon breaker je n'ai aucune compétence qui utilise des points d'action bonus. Du coup bah je peux rien faire alors que j'ai un point d'action bonus à dépenser. Ça c'est dommage. Ouais, il a 16, donc, elle a 16 PV, on peut la finir là. Ah bah oui, on va la finir 100% là. J'ai même pas de crainte là-dessus moi. Et hop, action bonus. Bam. 4 points de vie et ça va le faire. Échec critique. Je peux plus rien faire. Ok, bah le chien au boulot. Mais, hein. Non mais t'as vu ces yeux là qui sent le démon, avec la lumière rouge. Ah bah elle était pas loin de mouiller, on l'a coupé dans son action. Ouais. Vas-y, finis là. Je sais pas ce que ça fait. Fissure, je crois que ça peut faire une hémorragie, et donc c'est fort. Que là, elle est empoisonnée, elle va finir par crever, là, de toute façon. Ah, GG. C'est bon. Vous avez un coup de sature, cliquez sur son point pour contrôler ses actes. Ok. Et mais du coup, Gratou, il peut fuir en permanence, là. C'est pas ouais. Une réelle invocation, c'est un vrai être vivant. Ah non, mais alors attends, les vraies invocations, ils te suivent tout le temps aussi, hein. Hors combat. C'était pas que dans les combats, les invocations. Alors attends, elle a passé un niveau. Alors quand on passe un niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui m'embête là, c'est qu'on n'a pas beaucoup de provisions du camp, il va falloir qu'on en trouve parce que là, c'est vraiment la merde. C'est comment déjà pour attribuer des points de niveau? Alors c'est où déjà le bouton? Tu dois avoir un bouton là pour... Non mais c'est pas là-dedans, c'est un écran spécial, faut que tu cliques sur un bouton pour ouvrir l'écran des passages des niveaux. C'est pas dans l'inventaire, hein. C'est pas comme dans Divinity Original Sin. Cliquer sur quoi? Ah ok. Tu dois avoir un bouton pour améliorer. Ouais c'est bon, j'y suis. Point de vue augmenté, ok. Nouveau don disponible. Alors, je vais regarder avec tout ton live. Vous pouvez augmenter une de vos valeurs. Ça peut devenir comédienne. Dueliste défensif.
prends le temps de tout lire. Hein. C'est important de se familiariser avec les niveaux parce que c'est assez hard à comprendre au début. Parce que tu peux changer de. Tu peux mettre des points dans d'autres types de personnages. Donc là, t'es berserk, tu pourrais très bien prendre des points en magie. Mais c'est particulier quoi. Faut essayer de voir comment ça fonctionne, l'attribution des points. Mais là, dans ton don, sélectionne bien le don parce que ça peut être très intéressant. Tu peux avoir des trucs vraiment forts. Surtout pour les barbares quoi. Moi par exemple dans ma partie solo j'avais pris un truc qui diminuait mon nombre de chances de toucher, donc j'avais moins de jets d'attaque, mais j'avais automatiquement plus de jets de dégâts. Et quand je touchais je faisais des 30 points de dégâts, c'était fort. Mais par contre je ratais souvent. Et comme j'avais pris plus tard une compétence qui faisait que je pouvais taper deux fois. Chaque fois que vous portez une attaque à l'arme de corps à corps, vous effectuez 2 jets de dégâts en conservant systématiquement celui qui vous est le plus favorable. Ça c'est fort, ouais. Tu vas faire beaucoup de dégâts en permanence, ça c'est bien. Ah sinon, doué, vous apprenez à maîtriser 3 compétences de votre choix. Donc c'est-à-dire que... Les compétences, tu peux choisir 3 compétences. Ouais, mais c'est pas des dons, je crois. Fais gaffe. Ok. Ça va être après. Ça... En fait, tu vois, à gauche, t'as des onglets. À gauche, t'as dons et t'as plus un niveau barbare. Si tu sélectionnes le truc qui t'augmente 3 compétences, t'auras un nouvel onglet pour choisir les 3 compétences. Mais c'est pas vraiment les dons, je crois. Corias, votre max de PV augmente de 2 par niveau que vous avez gagné. Ça, c'est pas mal aussi. Ça permet d'avoir pas mal de PV. Je ne sais que choisir. Si t'hésites, moi je te dirais plutôt de partir sur les dégâts parce que c'est toujours utile et en termes de points de vie, on peut toujours prendre un personnage qui tank en fait et qui heal. Tout est tentant. Après, c'est tentant. Parce que attention, 2 points de vie par niveau, on est que niveau 4, c'est long à monter des niveaux, puis c'est maximum niveau 12, donc c'est maximum 24 points de vie en plus. Pas non plus la folie quoi. Par contre, les 2 jets de dégâts avec celui qui est le plus élevé qui gardait, ça veut dire qu'en permanence, tu auras plus de dégâts, quoi, en théorie. À moins de rater 2 fois les 2 dés, quoi. Quand vous attaquez à l'aide d'une couille, d'une hallebarde ou d'un bâton ou d'une lance, vous pouvez utiliser une action bonus pour attaquer la 2. Ok, c'est bien. Résilient. Attends, est-ce qu'il y avait la hache dedans? Parce que s'il y a une hache aussi, ça veut dire que tu peux attaquer 2 fois avec la hache, non? Non, il n'y a pas de hache. Ah merde, ok. Et comment ça se fait qu'avec la hache, on peut jouer tout seul? Martial, je pense. Bah, ça me paraît bien, moi, ça. Acceptouille. Quoi, elle est niveau 4 et nous, on est niveau 3, là? C'est quoi, cette arnaque? Ouais, elle est plus forte que tout le monde. Ouais, alors qu'elle a jamais joué avec nous. Bon. Il y a des trucs alors, à je pouvais parler aux morts. Vas-y, je te laisse looter pendant que je parle au cadavre. Ouais. Ah merde, je l'ai tué, du coup il peut pas me parler, zut. Ouais. Mais tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces PNJ là, ils sont prévus pour mourir à un moment donné, pour qu'on puisse leur parler. C'est marrant parce que du coup, ça veut dire que potentiellement ils seraient morts plus tard, quoi, si on les avait pas tués. Bon, je peux pas leur parler. Impossible. On peut les loot par contre. Ouais, c'est fait. Et si on faisait un petit court repos là pour se remettre un peu d'aplomb parce que c'est chaud là quand même. Ouais. Ok, et bah attends, je vais lancer des potions pour diviser. Attends. La technique c'est ça, c'est de lancer des potions. Et j'ai plein de potions moi, potion de guérison. Lancer, comme ça là. Ah mais attends, mais faut qu'elle se rapproche cette connasse. Non, hop, comme ça. La technique c'est ça. Jeter, lancer. Je trouve ça juste incroyable qu'il se fait une séquence en mode Pulp Fiction quoi. Enfin c'est pas vraiment Pulp Fiction parce que du coup c'était vraiment... un petit orc qui baisait une grosse orc, quoi. En fait, ça fait penser à Conker's Bad Fur Day, quoi. C'était un peu trash comme jeu, quoi.
Ah mais ils ont du nerf le truc de lancer des potions, c'est marrant ça. Ça marche plus comme avant. Ah oui, tu pouvais lancer une potion au sol et ça healait les gens aux alentours, c'est ça. Bah là ça n'a marché qu'à moitié, j'ai l'impression qu'ils ont un peu nerf le truc, parce que c'était vrai que c'était fort. Mais c'était comme ça non ça, c'était pas un heal total. Oui mais là ça a vraiment pas marché, ça a marché qu'une fois sur mon personnage principal, ça a pas heal en breaker tu vois. Dingue, bon, hein. il restait encore des gobelins si tu veux te les faire. Et faire une petite save aussi parce que après tout. Putain, y'a une cinématique juste pour récupérer un couteau dans de la viande. Moi je la veux bien la dague. Attends, je la veux bien moi. T'as examiné la viande pour savoir comment l'extraire. Mais pourquoi tu fais un test d'intelligence alors que tu n'es pas intelligent? C'est raté. T'aurais fait le test de force, t'aurais eu plus de chances de réussir, t'aurais eu un D10 à faire. Pourquoi tu fais les tests d'intelligence? Franchement, c'est pas clair, ton histoire. Attends, ça veut dire que je peux pas la retirer? Ah si, fais force. Ah non, c'est pareil, bah excuse-moi. Mais ce squelette a un bonus de plus 3 quand même. Non, mais j'ai plus 3, ouais. Oh, mais attends. Ça ne sert strictement à rien. Ah, ils l'ont animé. C'est Excaliburne. Excaliburne. Bah non, c'est bon, j'ai retiré. Ah non. Oh, j'ai le seum. C'est trop bien. J'ai trop le seum, mais c'était une dague, ça aurait pu me servir. Oh non, le seum. J'hallucine. Je savais pas, moi, ça. Merde. Ah, le jeu est bien fait. Franchement, moi, je trouve ça cool. Ouais. Bah tant pis. Ah, mais tu peux la ramasser toujours, la dague cassée. Ah bon, elle est où? Ah, dague cassée, ouais, mais je pourrais pas m'en servir. Hein. Ah non, j'ai pas l'impression qu'on puisse la ramasser. J'arrive pas à la ramasser non plus, ouais. Ouais, elle est bloquée en mode cinématique. Ouais. C'est dommage. Pourquoi tu ramasses tes pelles et tout, toi? Moi, je prévois. C'est pour la route. Et si on doit enterrer quelqu'un, c'est plus simple. J'ai pas l'impression qu'on puisse la reforger parce qu'on peut pas interagir avec elle pour la reprendre. Mais quand on peut pas la récupérer. Viens, parce que là-bas il y avait une sorte de mini-quête avec les gobelins là, dans le village. Qu'on finisse le village là, un peu. Bah là on est pas loin de le finir là. Ah mais y'a un mec là-haut encore eux, là, on l'a oublié lui. Un mec là-haut. Là où je suis? Mais oui, mais là c'est... Attends, fais une sauvegarde parce que là c'est une sorte de mini-quête. Attends. Parce que là, regarde bien. Ça, on l'avait déjà fait, je crois, mais on n'avait pas sauvegardé à l'époque. Regarde bien ce qui se passe. Essaye de comprendre ce qu'ils font. C'est une sorte de mini-quête. Ah, mais ils sont en train de faire de la farine? Non, je crois pas que ça soit des fermiers. Bah, y'a un moulin. Je vais même me positionner. Ils sont en train de faire du grain. Bonjour, c'est la police. Look what we got here. Another little birdie wanting to fly. Oh putain, on attire les narvalos. Hop, je me suis positionné. Oh, ton frère est attaché. Flap those wings some more, and I'll feed you a worm. And you, hope you got a stomach for heights. Excuse-moi, vous avez... C'est quoi cette... Est-ce que vous auriez vu un village de gobelins? Je suis là pour les tuer en fait, j'aime pas les gobelins, vous comprenez? Je cherche la porte de Beldur. Vous pouvez m'indiquer la route? Funny. That's what our birdie wanted. J'ai envie de les tuer. Je crois qu'il y a un truc mort en plus avec cette tête que j'ai pas fait non plus. On va faire un contest. Franchement, il y a un truc à faire un contest. Ouais. Je suis désolé de te spoiler comme ça, mais c'est des petits trucs qui sont dans le jeu. Payé, non, mais il est où, lui? Il y a un truc qui me frétille dans le spine. Il
Ah, tu vas réussir là quand alors, même, là, tu peux pas rater. Là j'ai des milliards de bonus et j'ai plus de 20, plus 20 de bonus. Oh. A haggler are ya? How about this? You live and pay me loads more. Est-ce que ça passe? Oh, deux, difficulté 2. C'est impossible de rater, j'ai plus 1. Oui, si, parce que attention, quand tu fais un échec critique, ça fait un échec peu importe combien tu dois faire. C'est comme ah quand ouais tu fais 20, c'est un échec critique peu importe. Ouais. C'est-à-dire que si tu dois faire 25, et bah tu peux faire 20, ça va quand même marcher. Et quand tu fais un échec critique, peu importe combien tu dois faire, si tu dois faire 1, et si tu fais 1, bah c'est un échec critique, donc tu perds quand même. Oh putain, les deux meufs approuvent, on va faire un trisome. Oh, on a tous pris un niveau, bien. Ah, c'est la larve qui a... C'est pour ça que j'avais un... J'avais que... C'était hyper facile. Ah bah oui, peut-être. Baby steps though. Mais moi ça me va. Gardons la larve. Salut ma poule. Alors tu vois, il y a un gnome qui est attaché. Et je crois qu'il y a une façon de le libérer très marrante. Mais il y avait un ogre là sur le toit juste avant là. Non mais ils sont barrés, tu les as fait se barrer en fait. À tous? Ouais. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait est-ce avec le gnome? Alors, est-ce que tu veux pas qu'on fasse d'abord nos niveaux parce que du coup on a pris un niveau? Mais on fait les niveaux, ouais. Puis tu sais quoi, on va faire une pause aussi parce que j'ai envie de m'en griller une. Bah on fait les niveaux d'abord? Ouais, on fait les niveaux d'abord. Ça, on s'en débarrasse parce que c'est vraiment un peu chiant les niveaux, mais c'est important de les faire. De toute façon, moi j'en ai qu'un à faire passer niveau. Toi, t'en as deux. Ouais, mais tu, comme ça, je les ferai pendant la pause. Vous avez gagné un d'aptitude passive. Changer de cœur bestial. C'est quoi ça? C'est tout? Vous pouvez modifier votre sélection de cœur bestial. T'es pas obligé de le faire, hein. C'est un choix. T'avais pris carte d'ours, je crois, non? C'est pas ça? Ah non, cœur de loup, t'avais pris. T'es pas obligé ouais de le changer, hein. C'est vraiment au choix. Ouais, je regarde juste si c'est intéressant de changer, en fait. Parce que après, t'as l'onglet don, t'as aussi un don à prendre comme l'autre. C'est pareil. T'as vraiment un truc en plus, même, à choisir. Oui, je vais le garder. Comment je suis pour revenir? Merde. C'est ça que je voulais faire. Comment que tu vas bien, Samus? Oui, Samus, nickel. Et toi, le Canada, ça se passe bien là-bas? Toujours en train de cuisiner pour ta douce? Franchement bien, nice. Je cuisine. Ah, combattant à deux armes. Vous pouvez utiliser le combat à deux armes même si les armes dont votre personnage est ne sont pas légères. Mais si c'est ça que je pensais pour les deux haches, tu vois. Ça, c'est pour avoir deux haches, ouais, ça peut être pas mal. C'est ça que je pensais, tu vois. Bah, vu que je voulais le mettre effectivement dans ce mode-là... Après, attention, la deuxième hache ne fait pas autant de dégâts que la première, hein, c'est pareil. Ça fait plus de dégâts, mais pas plus que la première. Parce que c'est la main gauche, tu vois, c'est la main faible. Ok, bah je prends ça. Ok, je fais la sauvegarde. Et je te laisse finir de faire ton perso. Ouais, ça marche. Ouais, et je vais m'en griller une. Donc à tout de suite, les amis. Ouais.
Great Weapon, ça te met un malus de 5 à l'attaque et plus 10 de dégâts. Hein? J'ai pas vu ça. En gros, ça, c'est ce que j'avais pris, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. En gros, ça te, tu as moins de chances de toucher, mais tu fais plus de dégâts. Et honnêtement, ça m'énerve. Je te conseille de pas... Bah, heureusement que tu l'as pas pris, parce que c'est très chiant. En fait, c'est intéressant parce que tu as moins de jet d'attaque, donc tu es plus susceptible de rater, mais tu fais beaucoup plus de dégâts, c'est assez impressionnant. Le truc, c'est que tu rates tout le temps. Et si tu veux, tu veux contrecarrer ce truc-là, il faut augmenter ta constitution dans ta force. Quand tu améliores ta force, tu as plus de chances de toucher et tu contrecarres ce manque d'attaque que tu as. Là, je vois juste que ce nouveau don-là, il n'est pas apparu dans ma barre. Ou c'est un truc passif? Un passif pour avoir deux haches. C'est juste pour avoir deux haches dans ton inventaire. C'est permanent, en fait, hein, je crois. Essaye d'avoir deux haches dans tes mains. Bah déjà, il faudrait que... Des haches à deux mains. Eh, bah oui, c'est des armes lourdes en fait. Ça te permet d'avoir des armes lourdes. Non, moi, c'est pas ce ça que j'ai compris. Le truc que t'as fait. Bah, non, c'est des armes, moi j'ai compris que lourdes. C'était quand j'ai deux armes de corps à corps. Du coup, j'avais un bonus. Moi, c'est ça que j'ai compris. Ah bon, c'est pas des armes lourdes? Peut-être que je parlais d'autres choses, excuse-moi, hein, j'ai pas... Attends, que je regarde ce que t'as. Inventaire, équipement, fiche de personnage, voyons voir ce que t'as. Tu as pris quoi, ça s'appelle comment, ce que t'as pris? Combattant à deux armes, bonus de ça. Quoi que t'as pris là, combattant à deux armes, c'est ça? Très passif, vous pouvez vous battre à l'aide de deux armes. Même si les armes de corps à corps à une main que vous maniez ne sont pas légères, en revanche, vous ne pouvez pas c'est ça, ouais. Le faire avec des armes lourdes. Ah pardon, ce n'est pas pour les armes lourdes. J'en ai deux, ça m'en a mis deux. Combattant à deux armes et combattant à deux armes bonus de CA. Ou alors peut-être que j'avais déjà pris le premier niveau et que maintenant j'ai pris genre un niveau 2 du même truc, c'est possible. Pas. En gros, c'est pour les armes. Vous pouvez vous battre à l'aide de deux armes, même si les armes de corps à corps à une main que vous maniez ne sont pas légères. Donc tu n'es pas obligé d'utiliser. Non, c'est un passif, mais t'es pas. Du coup, avant, normalement, t'es restreint avec des dagues. Moi, j'avais deux dagues, mais là, tu n'es pas restreint avec les dagues. Tu peux avoir deux épées, mais c'est déjà ce que t'avais. A priori, tu l'avais déjà. Et tu ne peux pas le faire encore avec des armes lourdes. Peut-être que tu pourras le faire un jour avec des armes lourdes. Donc, là, des haches. Au moins, là, tu peux avoir des épées. Mais tu l'avais déjà, mais t'auras peut-être un bonus aussi, du coup. Donc là, t'as un bonus de plus 1 à ta classe d'armure. Effectivement, maintenant, je pourrais me mettre à deux mains avec des armes qui sont pas légères, mais il faut que ce soit des armes à une main. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Ok, ouais, c'est ça. Donc je suppose qu'entre légère et lourde, il y a un intermédiaire. Oui, bah les... Que t'as il doit y avoir un intermédiaire. Légère, et ça c'est légère, ouais. Tu dois avoir des genre des masses. Attends, j'ai pas une masse là. Masse, c'est quoi masse? C'est une main, je crois. Et y a pas écrit si c'est lourd ou pas. Ah ben, rapière, par exemple, c'est pas marqué légère ni lourde. C'est juste marqué rapière. Tu as mis une masse, peut-être que tu peux essayer avec la masse aussi. Chagrin. Salut, Sivmat. Ça c'est à deux mains. Je vais devoir vous laisser, j'ai mon JDR. Ok, ça marche, mais bon JDR, les bisous, Sivmat. C'est un passif, ok. Et Yiha, du coup, tu serais comme conseiller pour mon roublard assassin, là ? En termes de dons, parce que je crois pas qu'il y ait chose intéressante à ce niveau-là encore, en fait. Expert du combat. Bon, je vais m'en griller une. À tout de suite. À tout de suite.